Kim Collins et puis Jurandi Martina également au couloir numéro 5. Regardez Collins. C'est bien parti hein, pour Collins au 2 et qui va faire sa course et bien en solo Kim Collins et 6,52 à l'arrivée. 6,52, un super chrono parce que l'énergie nerveuse laissée lors des deux faux départs, c'est énorme. Donc Collins qui en a à revendre de cette énergie électrique. Ouais, 6,53 en temps corrigé. Eh bien, il égale son meilleur chrono de la saison, le champion du monde 2003 du 100 mètres à Paris. Oui, dans l'aspiration, Bruinjes en profite pour battre son record personnel. Mais Collins, regardez, c'est crispé, mais sur 60 mètres, c'est pas grave. Sur 60 mètres, on n'a pas besoin d'être relâché pour tenir la fin de course. Là, c'est uniquement de l'explosion, de la vivacité, de la vélocité. Et donc, lui, il met...